Madame, messieurs, bonsoir. Bantit Sazona La Maurice Fingain, félicitations pour son excellente vaccination dans le continent africain de la part nouvelle au commissaire britannique de Maurice. Charlotte Pierre Finran, visite courtoisie après le ministre, jeudi après-midi. Gouvernement d'hier est optimiste, la reprise économique dans le pays, surtout à partir du mois octobre. Le ministre des Finances peut maintenir un taux de croissance 9% pour l'année fiscale. Rengadanen Padayachi peut répondre à une question à la presse aujourd'hui. INL Property a un projet de développement en Smart City dans Grosbois pour un développement de 365 arpents dans sa région, les Sidla. Petit bébé 9 mois qui fin arrive Maurice en provenance de Rodrigue fin testé négatif à COVID-19 selon le ministère de la Santé. Et dehors dans Afghanistan, ban négociation peut continuer avec ban Taliban pour formation en gouvernement. Maurice Fingain, félicitations pour son excellente vaccination dans le continent africain de la part nouvelle haut commissaire britannique dans Maurice. Charlotte Pierre Finran, une visite courtoisie à Premier ministre aujourd'hui après-midi. Les Fincos aussi leur visite groupe d'action financière Gafi et leur soutien au Royaume-Uni lors de ce sujet-là. Parmi les sujets qui finent abordés entre Pravin Jugnauth et Charlotte Pierre, et l'ouverture de la frontière en octobre, renforcement de la relation bilatérale entre nous des pays et que conférence au changement climatique. Un compte-rendu de Maya Lutchman. Au bâtiment Trésor, en début d'après-midi, Charlotte Pierre, nouvelle haut-commissaire britannique à Maurice, in rend une visite courtoisie au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Pan défi autour de la reconstruction post-Covid, l'ouverture de nos frontières en octobre et la visite sur place du groupe d'action financière Gafi, qui parmi ban sujet abordé lors de sa rencontre là. I congratulated Mauritius on its excellent and increasing vaccination rate. Je félicite Maurice pour son excellent taux de vaccination qui reste augmenté. Je pense qu'il est le deuxième du continent africain et c'est un exploit formidable. Nous aussi causons le ban défi de la reconstruction post-Covid et le ban défi en matière de voyages internationaux alors que l'île Maurice pépense ouvert prudemment en octobre. Nous fin aussi cause l'eau visite sur place du Gafi, exposition du Royaume-Uni, qui fin apporte un soutien tangible à nos bons camarades et collègues mauriciens dans le cadre de ce processus-là. Nous pouvons suivre le processus de très près. Le succès de Maurice lit le succès du Royaume-Uni. Donc, nous en partenariat pour aider Maurice vivre avec sa bonne réforme et progrès important là. C'est aussi une occasion excellente pour travailler le bon problème à laquelle nous deux pays peuvent confronter et que pour moi, pour souligner au Premier ministre l'importance de nos relations à la fois sur le plan bilatéral, mais aussi en tant que partenaire et allié clé du Commonwealth. De parents mauriciens, Charles Pierre, les premiers madame au commissaire britannique dans Maurice. Ministre des Finances vient répondre à une question d'un journaliste aujourd'hui après-midi dans l'hôtel Hennessy Park dans Eben. Fin passe en revue la santé économique pays pendant sa période de crise sanitaire là. Renganaden Padayachi peut maintenir un taux de croissance 9% pour l'année fiscale 2021-2022. Une prévision qui basait la reprise et que croissance plusieurs secteurs comme en tourisme. Ministre des Finances vient aussi dire que le gouvernement voulait appliquer une recommandation PRB à partir janvier 2022. Nous causons projet INL Property, le développement d'une Smart City dans Grosbois, 365 arpents dans sa région, les Sidla, pour transformer Pouvin en un village connecté avec un espace jeu pour les enfants, l'école, les bureaux. Un projet ambitieux qui pour préserve cachet rural, ça l'endroit là. Plus de détails avec Natacha Baou et Kintusha Dia. Village Grosbois dans sud-est pays pour transformer bientôt, mais pour préserve cachet rural sa région là, cause c'est ça l'aspect la même qui attire beaucoup de résidents qui pérode authenticité. L'ONZO a une superficie totale 425 arpents pour développer 365 arpents. Un village connecté, un élément important, sa prosée ambitieuse là. Promoté à la fin des agains se l'est d'intention depuis l'Economic Development Board. Vraiment avoir de nouveaux standards de vie à Maurice. Et je pense que Moka, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on a réussi à faire à Maurice. On a un quartier qu'on a développé, notamment le quartier de Provo, qui est plutôt rustique.
magnifique, qui a une âme, qui a vraiment beaucoup de charme. On a réalisé qu'il y avait probablement une opportunité. On veut essayer d'emmener une qualité de vie, on veut essayer d'emmener un nouveau noyau économique. Et on a aussi lancé les jardins de Grosbois, qui est un mot seulement de 30 et un lot. On est en phase d'appliquer pour la Smart City Certificate. Sa projet la peut faire après succès Smart City Moka. Li pou mettre l'accent l'eau protection l'environnement avec une bonne initiative pour récupération et traitement des l'eau. Premier partenariat public-privé pour Metro Express fin concrétisé aujourd'hui. Un accord fin signé pour construction d'une station métro pour Phoenix qui pour coûte 235 millions roupies. C'est première infrastructure comme ça qui peut intégrer dans centre commercial Phoenix. Un projet qui peut financer entièrement par groupe Ascensia. C'est 20e station métro au trajet Cupip pour lui. Ministre Ganou fin annoncé que le gouvernement peut finaliser actuellement choix promoteur pour terminal Vaqua. Sylvana Paris-Mamène. C'est un premier dans Maurice, une station métro dans un centre commercial. Quand on descend depuis métro, on passe assez pour capable aller direct dans le magasin. Avec Phoenix Mall Station, Trazé, Metro Express, qui a pris pour lui et non à Stella 20 stations. Un park and ride pour aussi construire dans le centre commercial et qu'un bureau vente ticket métro pour installer. L'ACO pour aménager sa infrastructure-là fin signée aujourd'hui grand matin. Sa projet-là qui peut coûter 235 millions roupies entièrement financé par Ascensia. Encore, c'est un bel exemple, encore une fois, une collaboration en temps difficile. Nous, en tout cas, nous pourrons cela même mobiliser, donner un coup de main, que nous capables. Là, c'est non seulement un double win, mais pourquoi il y a un triple win. Il y a un win pour Metro Express, il y a un win pour Ascensia, il y a un win pour Phoenix Mall. Mais il y a un win aussi, pourquoi, pour toute la population en général. Pourquoi qui pourrait gagner un Phoenix avant métro et un Phoenix après métro, parce que je pense qu'il y pourrait une grande différence au centre. Donc nous sommes extrêmement excités par ce projet-là et nous pensons qu'il peut amener beaucoup de développement dans cette zone-là, sur le centre commercial de Phoenix, mais aussi dans les alentours. Phoenix Mall Station peut en opération mi-2022 avec sa station qui est totalement intégrée à un centre commercial là, Metro Express Limited, PCI, son premier partenariat public-privé. Le Metro Express, moi je dis, c'est un projet bigger than transport. Ça veut dire que nous guettons le transport intégré, nous guettons le développement économique. C'est une synergie gouvernement, secteur privé, secteur public, secteur privé, qui augure très bien pour l'avenir. Et surtout que le Metro Express, comme le Premier ministre dit au départ, il y a un game changer pour le pays en termes de développement socio-économique. Et aussi, il y a un certain green development. 9 stations actuellement en service, l'alignement Metro Express depuis Port-Louis jusqu'à Quatre-Bornes, 11 les autres parmi stations Phoenix pour opérationnel depuis 5 ans jusqu'à Kiapip. Aujourd'hui, nos priorités, c'est rendre accessible. C'est favorise la mobilité, le déplacement de nos bonnes concitoyens partout. Qu'il y ait dans le monde, qu'il y ait à Maurice aujourd'hui, le maître mot, c'est un meilleur partenariat, un partenariat plus solide, plus robuste entre l'État et les secteurs privés. Le gouvernement peut finaliser en ce moment choix promoteur station Vaqua avec 12 000 passagers chaque jour, 4,3 millions d'immunes Infini Transit par métro jusqu'à aujourd'hui. Émission Focus hier, l'OMBC tire le thème où va le journalisme et fin cause l'urban changement et évolution sa métier là. Ben invité le plateau, c'est Jean-Claude Delestrac, Ravine Budgeon et Finlay Salès. Plus détails avec Ovachi Budgeon. Le journalisme en 2021, côte Péali. Les mondes journalisme peut subir ben dernier l'année de transformation. Avec l'arrivée de ben radio privée et web TV, Fingay en l'impact, l'achat de ban zonal. La presse, le journalisme de manière générale, en plein développement grâce à la technologie. Ce qui menaçait, et sérieusement, c'est le support papier. Parce que les radios, l'audiovisuel, les journaux en ligne, et il y en a plus de 150 000 journaux en ligne actuellement, petit à petit remplacent le support papier. Plus personne n'attend un journal qui peut sortir une fois tous les 24 heures, pour gagner l'information. Une des raisons qui fait la presse papier inappauvrie, à ce point-là, et nous avons des exemples de ça ici même à Maurice, de quelle manière un site sur le net des journaux, plus lu. Si nous guettons la presse du week-end, qui nous connaît bien, nous titre
de Tchitoun autour de 365 000 journaux chaque week-end. Aujourd'hui, c'est 125 000. Avec ce qu'a été chiffre-là, avec le rétrécissement du marché de la publicité, avec la cherté du prix du papier, avec tout, tout le reste qui nous quittait, la presse écrite est marginalisée. Ben défi qui fait face à ce métier-là fin d'être abordé. Ben les autres aspects importants dans ce métier-là, le code d'éthique et déontologie journalistique. Le métier s'apprend quand et à quel moment. Pas quand un formateur français vient de nous trois coups pendant quatre mois. Sorry, nous sommes bien d'accord avec ça. C'est en permanence dans la rédaction, quand un rédacteur en chef, quand un responsable de rédaction peut montrer ce journaliste, faire ton homework. Pas là-bas, contre-vérifier, te sire de l'information, est-ce qu'il te sire, qui s'assure, ça, papier manipule toi, etc. C'est une question qui vous peut poser. C'est la qualité de l'encadrement qui a toujours fait les journalistes. Et bien, mauvais journaliste, si vous trouvez du mauvais journalisme, il reflète uniquement une seule affaire. La mauvaise qualité de l'encadrement qui peut permettre qu'il y ait un journaliste jeune, inexpérimenté, manipulable, les autres manipulés par une source qui n'a des motifs autres que l'intérêt général. Télévision nationale dans son ensemble fine évoluer au fil des années. Public les fidèles, surtout pour journal télévisé 19h30. La presse la plus écoutée par les Mauriciens, c'est l'MBC. On a les derniers sondages d'audience là, on trouve MBC One faire 41% d'audience. Le journal télévisé, c'est plus élevé. Beaucoup plus élevé. Ça tourne autour de 60 à 70%. Le journal télévisé. C'est-à-dire, le public mauricien, pour s'informer, continue à se connecter, c'est-à-dire de divine là, l'informer, parce que c'est une plateforme, parce qu'il y a de l'information par ailleurs, notamment sur l'activité gouvernementale. Ban Média, une réinvente et adapter zut à ban nouvelle exigence pour continuer zut cheminement. Et concernant la situation sanitaire dans Maurice, le COVID-19 fin enregistré 307 nouveaux cas positifs sans symptômes aujourd'hui. Il y a aussi 5 patients qui finalement admettent l'hôpital INT. Leur campagne vaccination, 772 097 immunes ont gagné première dose vaccin et 667 063 ont gagné zote deuxième dose. Petit bébé 9 mois qui fin arrive Maurice depuis Rodrigue, li négatif à COVID-19. Fin gain résultat test PCR aujourd'hui après-midi. C'est une confirmation ministère de la Santé. Laisse-nous écouter Dr. Fazil Kodabakos, Regional Public Health Superintendent. Nous faisons le test de PCR pour le bébé de Rodrigue qui est accompagné de sa grand-mère pour des raisons médicales. Et le test, c'est négatif. Donc le bébé pas présente avec aucun symptôme de la COVID-19. Donc c'est très important pour nous pour confirmer ce premier test par notre test PCR qui nous fait au laboratoire de Cordos. Et là, définitivement, il est négatif. Et Rodrigue Diali prêt pour toute éventualité. C'est une déclaration commissaire à la santé pendant une rencontre High Powered Committee lors COVID-19 avec la presse aujourd'hui grand matin dans Rodrigue. Simon-Pierre Rousti, fin rappelle Ban Rodrigue, leur nécessité respecter Ban geste barrière. Chef commissaire par intérim Nicholson Lisette, puis invite population profiter faire zote vacciner. À ce jour, 44% population rodriguaise gagne des doses vaccins contre COVID-19. Et 54% en première dose. Nos compatriotes Primila Patten fin choisir par secrétaire général de l'ONU comme officer in charge ONU Femmes, une organisation défense mondiale ban femmes et ban tifi, une nomination qui fin prend effet hier. Primila Patten, avocate de profession, l'IDP 2017 représentante spéciale de l'ONU lors violences sexuelles, les fin toujours milite pour droit ban madame. Un premier groupe Vendée stagiaire peut faire ce premier pas dans le secteur de la couture et la mode. National Cooperative College et Fashion and Design Institute peut encadrer une femme entrepreneur qui voulait faire stylisme. Vous pouvez gagner 195 heures en cours. Ministre Sunil Bola fait un lancement de ce workshop-là. Sarah Ounou.
Une participante là, je paie rêve pour gagner une propre entreprise de couture et stylisme. Certaines, je bien zen et je peux dire que j'ai un sens parce que je peux bénéficier de ban coup et ban les autres lettres qui peuvent offrir par le ministère coopératif. Je vois que le gouvernement offre des incentives pour pouvoir travailler dans le côté de la mode. Ben, je me suis dit pourquoi ne pas aller de l'avant dedans, surtout que je voulais avoir ma propre marque de vêtements. On peut faire carrière avec toutes les facilités que le gouvernement donne en ce moment. Demain, on peut créer notre propre business et réussir dans ce domaine. Regrouper en coopérative et participe à un atelier de travail pour permettre à un professionnel évoluer dans sa secteur-là, selon le ministre Semildot Bola. Nous pouvons dire à madame regrouper dans une société coopérative le National Cooperative College en collaboration avec le Fashion and Design Institute pour amener la formation pour une couturière, mon ministère pour amener une facilité pour maintenant commencer un business. Alors les facilités, c'est ce qui est pour aider pour acquérir un équipement. Sa première batch de 22 stagiaires là, je peux bénéficier de 195 heures de formation en couture et stylisme. Après ça, je peux capable de regrouper et former une coopérative pour sa secteur là avec l'aide de l'autorité. Aujourd'hui, les musulmans peuvent observer Yom Ashura, un événement religieux le 10e jour Muharram, premier mois calendrier islamique. Pour cette occasion là, les musulmans font carême. Plus de détails avec Jalila Sinali. Ça zédi 19 août là, li correspond à 10e jour mois Muharram, soit premier mois, et un des ban mois sacrés dans le calendrier islamique. Azodi, nous commémorons Yaume Ashura, à côté finena, plaisir grand l'événement, parmi Bondier fin sauve Moïse depuis Pharaon, et tis enfants prophète Muhammad, fin tombe en mortir pendant bataille Karbala dans l'Irak. Plaisir croyant, God Karem pousse à l'occasion là. Le mois de Muharram, c'est un très grand mois en islam et le prophète Mohammed vient d'une grande importance dans le mois de Muharram et spécialement le jour Yawmul Ashura. Le prophète Mohammed dit « Un an du passé, ce péché, Allah l'a pardonné quand nous restons rosa pour Yawmul Ashura. » Et il y a un programme spécial dans une mosquée qui peut faire dans respect protocole sanitaire. Dans tout le masjid Kena, en l'occurrence à la Juma Masjid, nous pouvons avoir un programme spécial, un programme spirituel qui nous peut organiser. Mais vu que nous dans une période Covid, nous pouvons dans une congrégation bien limitée, en respectant tout le mesure sanitaire. Mais on connaît aussi qu'IMBC peut prévoir une émission spéciale à suivre demain vendredi 20 août à partir 20h45, le MBCD. Et dans quelques jours, pour une fête Raksha Bandhan, puis van ban raki un peu partout dans mon magasin, dans la foire, et depuis plusieurs années, il y a ban raki personnalisé. Les 10 et 11 septembre prochains, communauté Marathi pour célébrer Ganesh Chaturthi, Mauritius Marathi Mandali Federation, il réunit ban représentants ban différents groupes à travers l'île pour sensibiliser pour éviter la propagation du virus COVID-19 avec une organisation structurée et coopération ban dévot. Adrien Valère. Zen, prière, rituel et procession. Pendant célébration Ganesh Chaturthi, qui pouvait faire les 10 et 11 septembre, beaucoup dévots amenés à côtoyer les autres. Bien évidemment, tout en respectant la distanciation physique et la peau du masque. Mais pour empêcher la propagation de ce virus-là, Mauritius Marathi Mandali Federation fin lance une campagne de sensibilisation hier soir à Melrose. Les dirigeants ne nous entendent. C'est à eux à tous les rôles. Si vous pouvez aller, si vous pouvez veiller, que ce protocole sanitaire peut être respecté dans le temps pendant l'organisation. Ce qui est important, c'est le jour de la procession. Et beaucoup de groupes joignent pour faire l'immersion. Disons, un lanceur qui est né, il fait aussi la procession, il fait aussi un rituel au bord de la rivière, il fait aussi l'immersion, le retourner là, deuxième là. Et man qui est à la mer, recommandé qu'ils se gardent 100 mètres de distance entre les groupes. Et je suis capable de dire nous avons la garantie de la force policière qui pour supervise le déroulement de cette fête-là et pour agir en conséquence. Avec collaboration de la police, qui nous demande nous, peut-être nous pour donner des mettants et des temps, juste pour capable chacun aller avec ses 50 dévots. Matériel sanitaire et ban chèque fin aussi remettre à ban représentant ban groupe présent. Je vous remercie aussi tous les membres de l'association et de la fédération qui peut prendre une initiative vraiment louable. Et c'est tout qui nous a le National Task Force qui finit faire pour le Premier ministre pour veiller que la célébration de Ganesh Chaturthi passe bien. Sa campagne de sensibilisation là pour poursuivre dans un lieu de culte à travers l'île.
La nouvelle déo dans l'Afghanistan, ben, l'évacuation type continue aujourd'hui dans Kaboul. Beaucoup d'Afghans type attendent côté l'aéroport pour capable aller. Aussi, ben, consultation de ben, talibans et ben, anciens membres exécutifs afghans fin continue aujourd'hui. Ben, responsable taliban, ils ont un ancien président afghan, ami de Karzai hier dans Kaboul. Un geste qui dernier chef de l'État, Ashraf Ghani, qui est réfugié déo, fin approuvé. Ben, taliban paie donc refaire formation et gouvernement. Et je tiens à annoncer, je peux gracier tout ban ancien responsable gouvernemental. Les Stougetta Salaban nouvelle l'étang de Maurice. Situation générale d'Ivan P. affaiblit graduellement l'ONU région avec anticyclone qui peut éloigner vers l'est. Prévision pour faire beau temps général, aujourd'hui tantôt et demain grand matin. Température minimale pour varier entre 13 et 16 degrés le plateau central et entre 18 et 20 degrés sur la côte. Pour un soleil partout dans le pays, demain la journée, mais capable venatil appli dans l'après-midi l'Oban au terre. Température maximale pour varier entre 19 et 22 degrés le plateau central et entre 24 et 27 degrés le littoral. Divan pour souffler depuis l'est à 20 km/h avec ban rafale à 50 km/h dans l'endroit exposé. La mer pour mauvais en dehors récif avec la houle depuis sud-ouest de 2 mètres hauteur à partir de demain après-midi. La marée pour haute aujourd'hui à 23h18 et demain à 12h23. L'ipouba demain à 6h05 et demain soleil pour lever à 6h28 et les poils couchés à 17h57. Voilà, nos journaux finissent ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. Loban Chen MBC.